Synthèse vocale. Synthèse vocale. Nom. Active la narration du texte affiché. Je sais pas ce qui m'a pris. J'étais censé la conduire jusqu'aux lucioles et m'en aller. On a traversé la moitié du pays ensemble. Elle voulait donner un sens à son immunité. Peut-être que j'ai fini par croire à cette histoire de remède. Peut-être que je faisais ça pour son bien. Et puis on est arrivé. On a trouvé les lucioles. Grâce à elles, ils allaient enfin pouvoir faire ce remède. Le seul problème. Que vous faites là? Vous ne pouvez pas la prendre. C'est notre avenir qui se joue ici. Pensez à toutes ces vies qu'on pourra sauver. Putain de merde, Joël. Qu'est-ce que t'as foutu? Je l'ai sauvé. Allez, Ellie. Je te tiens. Je te tiens. Bloquez les sorties! On le lâche pas! Merde.
Bordel. Ça, c'est... Quel merdier. Et il y est au courant? Je lui ai dit qu'ils avaient fait des tests. Je lui ai dit que... son immunité servait à rien. Et elle y a cru d'après toi? Elle a jamais dit le contraire. On devrait y retourner. Pour ce que tu m'as dit tout à l'heure. Je crois bien que j'aurais fait exactement pareil. J'emporterai ton secret dans la tombe. À plus tard, Tommy. Thank you.
Eh oh. Allez. La vache. Tu m'as foutu une de ces trouilles. J'ai frappé à la porte, mais... Salut. Salut. Tu voulais quelque chose ? Rien de spécial. Tu sais... Tout le monde est très impressionné par toi. Par la façon... dont tu sais te rendre utile. C'est cool. Ouais. Avec Tommy, on s'est baladé l'autre jour et... Il m'a raconté une blague et j'ai pensé à toi. C'est... Ah, j'ai dû oublier. C'était une histoire d'horloge. Quelle est... Joël, écoute... Il est super tard et je dois me lever tôt demain matin. Ouais, c'est vrai. Je voudrais te montrer un truc. Donne-moi juste une seconde. Qu'est-ce que c'est ? Par ici, les gens appellent ça une guitare. Sans deck. Je peux te jouer quelque chose? Ok. Super. Tu me promets que tu vas pas te moquer de moi. C'est promis. Je te le jure. Je compte sur toi. Sometimes you'll succeed to make this pain of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore, 'cause I believe, and I believe, 'cause I can see our future day. Days of you. Et voilà, c'est tout. Eh ben, c'était pas si mal. Je prends ça comme un compliment. Elle est pour toi. Oh, non. Non, 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 je saurais même pas comment la tenir. Je t'ai promis que je t'apprendrai à en jouer.
Je te dirai d'une première leçon demain soir. Pendu. Ok. Ok. Est-ce que... la blague t'est revenue ? Tu sais quel est le comble pour une horloge ? C'est de devoir tuer le temps. C'est vraiment débile. Ouais. Allez, dors bien. Salut. Bonjour. Désolée, j'ai dormi trop longtemps. Je m'habille et j'arrive dans une minute. Il paraît que t'as passé une drôle de soirée. Je... elle m'a embrassée. Tu connais Dina, tu sais comment elle est. Ça voulait rien dire du tout. Je parlais... je croyais... on est séparés depuis une semaine et tu bécotes mon ex? Non. Elle voulait peut-être juste te rendre jaloux. Moi, je voulais pas... putain, c'est trop gênant. Tu vois pas que je te fais marcher. Je m'en fous, ça va. Va t'habiller. Oh, t'es qu'un con. Hé ! C'était quand même pas très cool. Oh. Dépêche-toi, on est en retard. Ça pue pas. Ok. Joël est réveillé. On a repéré les infectés au nord. Elle l'a envoyé en patrouille avec Tommy. Ça craint. Ouais, ils n'ont pas dû beaucoup dormir. Pas autant que toi, en tout cas. Arrête. J'allais justement me lever. Mm-hmm. Si, je te jure. T'as tout ce qu'il faut ? Ouais. Je te préviens, tout le monde parle de toi ce matin. Ah, pourquoi ? Ok, petit résumé. T'as embrassé Dina. C'est elle qui m'a embrassé. Ce qui a conduit Seth à te traiter d'un truc pas sympa. Ouais. Ensuite, Joël l'a frappé. Il l'a juste poussé. Et puis tu t'es énervé contre Joël. J'ai pas compris ça. C'était une soirée bizarre, Jesse. Plutôt mouvementée. Désolé de pas être resté. Attention à vous. Comme toujours. Maria veut te parler. Elle est où ? Au
resto. C'est à propos de Seth. Aucune idée. J'ai dû la ramener. Dis-lui que tu m'as pas vu. Tu rêves. Mais c'est vraiment pas cool. Désolé. Eh, donc, tu m'en veux pas, hein? Toi? Non, pas du tout. Dina et moi, c'est du passé. Je sais, mais je veux pas que tu penses. Ellie, tout va bien. C'est promis. Merci. Salut, mon vieux. Oh oui, ça fait du bien. Hé, hey, Ellie. Salut, Jessie. Oh, salut. C'est normal. T'as envie d'un petit déj? Non. Où est Maria? Derrière. Pardon. Ellie! Viens, je t'attendais. Seth voudrait te dire quelque chose. J'ai aucune envie de discuter avec un fanatique. Fais-le pour moi, s'il te plaît. Oh, d'accord. Seth! Seth, viens là. Au secours. Salut. Oh, j'avais un peu bu. Ouais. J'essaie juste de m'excuser. Maria m'a dit que tu partais en patrouille avec Dina. Ben, j'ai préparé des sandwichs. Ok. À la viande. Merci, Seth. Ouais. Bon. Soyez prudente. Ouais. Je te remercie, Ellie. C'est quoi, ça? Sandwich de fanatique. Ça sent bon. Prends-les. T'es sûr? Vas-y. Je vous raccompagne. Ok. En partant, je veux que tu relèves Tommy et Joël. Ces deux-là sont partis depuis bien trop longtemps. Je les retrouve où? Ils devraient être au poste de Gainan West un peu plus tard dans la journée. Et fais attention. On nous signale beaucoup trop d'infectés dernièrement. Ok. J'avais prévu de vérifier la route de la rivière. Il faudra que quelqu'un d'autre s'en occupe. Ellie, tu connais la route de la rivière? Non, pas vraiment. Dina la connaît bien. Viens par là. Elles pourront y aller ensemble. C'est réglé alors. Ellie, je peux te parler une seconde? Ça va? Je sais pas ce qui se passe entre toi et Joël. Maria. Il tient énormément à toi. Je suis sûre qu'il voulait pas te faire de mal. Tout va bien. Sûr? Ouais. Ok. Ok. Excuse-moi. Sois prudente. D'accord. Hé, hey, Dina! C'est l'heure! Deux secondes, j'arrive! Tu peux dire à ta copine d'aller aux écuries, s'il te plaît? Dina?
peux te parler? Hé, les gars, je fais une pause. Oh non! Ça va durer longtemps? Salut, salut. Je voulais juste... Mais... Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai commencé. J'aurais jamais dû t'embrasser devant tous ces gens et je... T'étais bourrée, c'est pas grave. Ouais, mais quand même, je veux pas que tu penses... Non, je me suis pas fait d'idée, t'inquiète. Tu sais ce que j'aime chez toi? Tu me laisses toujours finir mes phrases. Ok. On devrait se mettre en route. Ouais. Ah, ça va pas, non? Je joue pas avec vous, moi! Quoi? T'as la trouille? Je déteste vraiment ce gamin. On lui met la misère? Ouais, bonne idée. Vous l'avez cherché! Gare à vos miches, les petits cons! Ah, merde! Mettez-vous à couvert, vite! Ah, je t'ai eu! On n'est pas encore foutus, bande de nades! Oh! Mange ça! Ah! Ah, non! Ah, t'aimes ça? Aïe! Bon sang! Il est fort, ce gamin! Je vais venir te botter les fesses! Pour de vrai! Je vais t'attraper, Minute! Ouais, c'est ça, va te planquer! Va te planquer! Dans ta gueule! Ta tête! Je te vois! Allez, tiens! Aïe! Je sais où t'habites, Alex! Tu ferais mieux que de te cacher! Dans ta face! Allez, vas-y! Non! Je t'ai eu! Je te vois! Prends ça! Bim! Mange ça, petite merde! On va vous battre! Aïe! Qui t'a appris ça? Oh, mais quel lancer magnifique! Revenez ici! Mangez ça, les crevettes! Hé! Hey, hey. Alors, ça fait quoi? Ah, sur elle! Vous n'allez pas vous en tirer! Stop! Lâchez-la, bande de monstres! Ellie! Arrête! Allez, c'est pas tout ça, mais on a du travail. Oh. Du vent. Je l'ai bien mérité, non? Ouais. On y va. Jesse veut qu'on prenne la route de la rivière. Il va relever Joël et Tommy. Oh, c'est cool qu'il nous a envoyés ensemble. Tu vas aimer la balade. Salut les filles. Bonjour. Salut. Je m'en occupe. Merci. Ah, c'est un bon cheval. Regarde qui est là. Merci. Allez, c'est bien. Salut, Paillette. Ah,
Regardez qui a décidé de nous rejoindre. Ouais. Un pour toi. Et un pour toi. Ouvrez les portes! Bon, écoutez-moi. On y est. Vous connaissez le topo. Vous suivez l'itinéraire, vous prenez des notes et vous tuez les infectés que vous croisez. Si vous tombez sur plus gros que vous, vous revenez. Pas de conneries, ok? D'accord. Allez-y. Salut. Salut. De quoi tu rêvais? J'ai dit quelque chose? Non, mais t'as... Tu faisais grincer tes dents. Oh. Où t'es allé? Prends ton matos. Faut que tu vois ça. Quoi? Je vais te montrer. Viens. C'est par là. T'es sûr que tu veux pas faire ça quand il fera jour, avec quelques degrés de plus? Non, ça peut pas attendre. Tu veux pas me dire ce que c'est, au moins? Tu dois voir ça par toi-même. Qu'est-ce que tu fabriques à traîner comme ça, tout seul? J'arrive pas à dormir. Toi non plus? Plus on va vers le sud, plus c'est joli. Et si on continuait? On pourrait filer jusqu'au Mexique. J'y ai déjà pensé, figure-toi. On pourrait aller voir la ville de Manny. Ouais. Quelque chose me dit que c'est pas aussi joli qu'il le dit. Ouais, t'as sûrement raison. T'as fait tout ce chemin dans le noir? Oui. Allez, viens. Si on continue comme ça, on sera crevé avant même d'entamer la journée. Arrête, c'est pas si loin. Dis, Mel, ça va? Elle avait pas l'air en forme ces derniers jours. Ouais, elle va bien. Je te trouve bizarre, c'est limite flippant. Je suis pas bizarre. Hé, hey, fais gaffe en sautant.
Tu vas rompre avec Mel, c'est ça? Quoi? Non. Mon père est... T'inquiète, j'ai eu ma dose. Tu prends de l'élan en courant. Si t'en es capable, alors moi aussi. Wow. Et ouais, on n'est pas tous aussi gras sur toi. Quoi ça? Ça va pas le faire. Ça va aller. C'est trop haut. Vas-y. Oh mon Dieu! Hé, regarde-moi. Abby, ne regarde pas en bas. Owen, faudra repasser par là, au retour? Dis-toi que c'est l'occasion de vaincre tes peurs. Tu sais où tu peux te les carrer, mes peurs. Abby, arrête de me draguer. Arrivé. Putain. C'est carrément une ville. Ouais. Oh. T'en as parlé à quelqu'un? Je voulais que tu sois la première. J'ai vu des gardes armés patrouiller entre la ville et l'avant-poste, par là-bas. Il y a d'autres postes de garde sur le chemin. Ils ont de l'électricité, des flingues. Ça fait beaucoup de monde. On va se débrouiller. Ok. En admettant qu'il soit là, on fait comment pour l'atteindre? On n'a qu'à attraper un des gardes pour lui soutirer des informations. Ensuite, faudra trouver un moyen de lui tendre un piège. Ouais, c'est ça. Je suis sûr que ton garde sera ravi de nous filer des renseignements. Il aura pas le choix. Non mais tu t'entends. T'as une meilleure idée? Qu'est-ce qui t'arrive, Owen? Mais elle est enceinte. Ok. Mais c'est pas seulement ça. Je suis censée te féliciter. Quand les autres verront ça, ils vont vouloir faire demi-tour. On pourrait les convaincre, pas vrai? Oh, j'étais sûre que je pouvais pas compter sur toi. Abby, je veux la même chose que toi. Mais là, c'est du suicide. Hey. Arrête! On se voit à ton retour. Rien à foutre. Je peux m'en occuper toute seule.
Je m'y mêle en cloque. Merde. T'es vivant ? Je trouve un point de vue.
mauvaise idée, Abby. Ok. Il peut pas être loin. Ugh.
Ansgard en plus. Où est la route ?